Bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est mon event que j'ai préparé aujourd'hui. Cet event qui va un peu parler. Donc, c'est un événement qui concerne les Global Azure 2022. Donc, c'est une session qui va permettre d'avoir presque un aperçu sur. Sur une brève introduction sur la façon dont on peut utiliser Windows Server pour tirer différents avantages que ça nous offre lorsqu'on les déploie dans les cloud computing. Alors, je me présente, moi c'est Burume Windows Pascal. Donc, vous m'appelez Pascal Burume. Je suis étudiant ambassadeur chez Microsoft. Avec Milestone Beta. Je vous souhaite encore bienvenue. Désolé pour le retard qu'on a eu, c'est juste qu'on était en train de faire d'attendre les autres membres de s'identifier. Ça m'a pris vraiment du temps, mais bon, ça va. J'espère que vous êtes toujours là et vous m'attendez. Est-ce que vous m'attendez? Ah, ok, ça va. Y a pas de souci. On pouvait quand même mettre les chats au cas où il y a des questions ou il y a quelques éléments ou informations qui vous ont échappé et qui vous aimeriez par exemple avoir un peu beaucoup plus de détails sur les explications. Alors, je me suis déjà présenté. J'ai dit que je suis Burume Boenda Pascal et je suis Milestone Alpha. Ainsi comme je suis étudiant ambassadeur chez Microsoft. Alors, cet événement va parler sur le déploiement de Windows Server 2022 sur Azure. Alors, pour déployer Windows Server sur Azure, il y a quelques prérequis qu'il faut quand même avoir pour bien suivre un peu cet événement ou bien suivre cet événement. Notamment, vous devez avoir un compte Azure. Si vous devez avoir quelques connaissances sur les réseaux. Donc, bon, c'est pas réseau général, mais au moins connaissances de base. Alors ici, ça concerne un peu notre agenda. Alors, dans notre agenda, nous allons parler de l'introduction. Et ensuite, après l'introduction, nous allons parler des différentes versions de Windows Server. Ensuite, on va parler pourquoi déplacer Windows Server à Azure. Ensuite, on va parler de gérer les coûts tout en économisant sur Azure. Ensuite, on va parler sur Azure et Windows Server, une sécurité des pointes. Enfin, nous allons démarrer qui sera sous forme de notre démonstration qui sera faite au courant de cet événement. Alors, différentes ressources sont ouvertes ici dans l'agenda. Nous avons premièrement Windows on Azure, Azure avec Microsoft Learn, mais aussi il y a déjà des cours qui sont disponibles au cas où vous voulez par exemple les accéder sur LinkedIn. Pas LinkedIn, mais Plural Site. C'est dans les patchs Microsoft Azure Administrator on Plural Site. Alors, nous allons commencer notre introduction. Alors, il faut savoir que Azure est la meilleure destination lorsqu'il s'agit des Windows Server. Alors, que vous migrez à l'état ou que vous modernisez des applications, Azure offre une prise en charge native pour SQL, donc SQL, .NET, le service des bureaux, donc Desktop Services, Remote Desktop Services, qu'on appelle les bureaux à distance, et d'autres charges de travail pour Windows Server. Alors, les avantages des fonctionnalités et applications exclusives lorsque vous déplacez vos charges de travail vers Azure.
Donc, parmi les avantages qu'on peut vraiment retenir ici, c'est dans le sens où on essayerait, par exemple, de profiter des Azure Automated Preview et les centres d'administration Windows dans les portails qu'on appelle Windows Admin Center. Nous avons aussi Azure Cabinet Service et Azure App Service. Ce sont des. Bon, il y a énormément d'avantages, mais ceux qui sont vraiment axés sur le Windows Server 2022 sur Azure, il y en a ces quatre principaux ici qui vous permettent donc de bénéficier de ces avantages que vous ne pouvez pas en avoir si vous déployez par exemple Windows Server on-premises, donc le déployer dans un environnement local. Vous pouvez toujours utiliser Windows Admin Center dans l'environnement local, mais aussi ça, vous pouvez aussi l'utiliser dans les clouds. Sauf qu'ici, il est vraiment conçu dans le sens où il peut seulement être utilisé dans les clouds. On verra plus loin l'avantage que ça procure. Alors, Azure Automated Preview. Automate offre une solution unifiée pour simplifier la gestion informatique dans les clouds. Avec une simplicité de pointer et cliquer cohérente tout au long du cycle de vie des machines virtuelles. Ces machines virtuelles peuvent être soit Windows Server ou Linux. Avec Automate pour Windows Server, accéder à des fonctionnalités uniques pour Windows Server uniquement sur Azure. Donc, cette fonctionnalité Automate, elle est vraiment uniquement sur lorsque vous déployez Windows Server sur Azure. Alors, vous pouvez déployer Windows Server sur Amazon Web Services, mais cette fonctionnalité est seulement réservée lorsque la machine virtuelle tourne sur Azure. Alors, avec Automate pour Windows Server, vous accédez à des fonctionnalités uniques pour Windows Server uniquement sur Azure. Donc, vous pouvez déployer des mises à jour de sécurité sans avoir à redémarrer. Donc, ça se fait avec Authpatch. Vous pouvez transférer des fichiers en toute sécurité à l'aide des protocoles SNMB, qu'on appelle Server Message Block. Et cela via Qix. Donc, SMB, on peut dire que c'est un protocole qui permet de faire ces transferts de données. Maintenant, vu que c'est évolué en fonction des versions, et c'est de cette façon dont on essaie un peu d'améliorer les transferts des données. Donc, dans la rapidité, dans la sécurité, mais aussi dans l'accès aux données. Alors, ici, on peut aussi conserver les adresses IP privées en étendant notre sous-réseau cloud pendant la migration. Alors, même si vous décidez d'étendre votre réseau ou d'étendre votre infrastructure dans les clouds, vous avez toujours même la possibilité de les faire avec Azure Automate Preview. Alors, ici, on peut aussi réduire les coûts en automatisant la gestion de Windows Server et Linux, mais aussi à améliorer la disponibilité de la charge de travail grâce à des opérations optimisées. On peut appliquer automatiquement les correctifs et les meilleures pratiques de sécurité. On peut aussi détecter de manière proactive la dérive et corriger automatiquement. C'est vraiment simplifié et c'est unifié. C'est comme si c'est centralisé pour faire la gestion des serveurs, de Windows Server dans les clouds. Si on va ici dans la partie ici, on a en quelque sorte comme sous forme, on peut dire, d'une petite synthèse de ce que Azure AutoManage nous donne. Donc, synthèse, mais on peut dire aussi on peut parler des fonctionnalités. Azure Automate Preview. Nous avons des boot diagnostics, nous avons des backups, nous avons des security center, nous avons des log analytics, nous avons des configuration management, checking, tracking and inventory, automation account,
update, management. Nous avons aussi les monitoring. Alors, toutes ces fonctionnalités ici sont possibles grâce à l'utilisation des Azure Auto-Manage. Tout ça dans les soucis de mieux gérer encore notre serveur. Nous avons Windows Admin Center. Alors, Windows Admin Center, c'est dans Azure, débloque des fonctionnalités incroyables pour le portail Azure en vous fournissant une interface pour gérer vos machines virtuelles Windows Server. Par défaut, le portail Azure fournit via uniquement la gestion des machines virtuelles les éléments essentiels pour gérer l'infrastructure. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, vous pouvez quand même toujours utiliser Windows Admin Center pour gérer votre infrastructure, que ce soit dans les locales, mais aussi dans les clouds. L'avantage de déployer Windows Admin Center dans les clouds, je vais écrire ici. L'avantage de les déployer ici, c'est que d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il va permettre de gérer vos différents serveurs qui sont dans les clouds. Et ça va vous permettre de les gérer de manière rapide. Donc, ça veut dire qu'il y a des fonctionnalités qui ne vont pas demander d'accéder directement dans l'interface du serveur ou soit d'accéder dans le serveur via un vide de commande, PowerShell ou bien CloudShell. Alors, ici, c'est juste en vous connectant seulement au serveur avec Windows Admin Center, directement, vous accédez aux informations. Donc, qui sont primordiales dans votre serveur. Si vous voulez, par exemple, avoir quelles sont les ressources qui sont utilisées dans vos serveurs, soit par exemple les processeurs, la mémoire RAM, en vous connectant seulement là-dessus, vous avez directement accès aux informations, processeurs, mémoire RAM, disque. Donc, des informations qui sont vraiment essentielles en accédant de manière directe sur Azure. Alors, maintenant, cette interface, c'est par rapport au local, c'est qu'elle s'exécute directement dans Azure. Donc, vous gérez automatiquement et rapidement vos serveurs avec Windows Admin Center, qui est différent de Azure Auto-Manage. Là, c'est juste que vous avez donc une gestion rapide et efficace de vos serveurs, et qui est en plus commune aux interfaces déjà, si vous utilisez déjà ça dans votre environnement local. Alors, l'avantage est que d'abord, c'est une interface utilisateur familière, c'est conçu pour les clouds, mais aussi c'est sécurisé. Donc, ça ne va pas demander de déployer des certificats, de déployer des configurations donc, supplémentaires lorsqu'on est dans un environnement vaste ou dans un environnement public. C'est direct, vous vous connectez seulement à votre portail, vous le déployez et vous gérez vos serveurs dans les clouds. Alors, c'est juste un bref aperçu de Windows Admin Center. Bon, on peut le déployer dans les clouds, mais aussi dans un environnement hybride. Le déploiement, ça peut se faire dans un environnement large, mais aussi un environnement small, petit environnement. Donc, ici d'abord, il faut savoir que Windows Admin Center, il intègre un peu les fonctionnalités qui existaient déjà, notamment avec Security Management, avec System Center, RSA Tools, Remote Service Tools, Remote Desktop. Donc, ça, c'est pour la connexion à distance, ça, c'est pour la configuration des services, ça, c'est pour la gestion, donc la gestion soit des services, des comptes, des mémoires. Donc, gère un peu les serveurs, des différents, avec les différents services. Ça, c'est pour la gestion des sécurités, mais aussi en intégrant les services hybrides. Tout ça, ça se fait avec Windows Admin Center. Wow. Ça, on peut le faire ça dans les locales, lorsqu'on les déploie dans la manière, dans les brides. Mais aussi, on peut toujours les déployer dans les clouds. Ça, c'est pour bénéficier des fonctionnalités qui ont été mises en place lorsqu'on les déploie dans les clouds. On a aussi Azure Kubernetes. Alors, qu'est-ce que les Kubernetes Service? Alors, il faut comprendre que Kubernetes, c'est un container. Donc, il faut d'abord, on part d'abord dans les niveaux bas,
Donc, c'est un système d'exploitation qui permet de faire tourner des applications. Les systèmes d'exploitation, là, on les appelle, ils sont des systèmes d'exploitation, donc ils sont chargés de faire tourner des compteurs dans lesquels on peut déployer différentes applications. Ces applications peuvent être soit, qui tournent directement, mais aussi peuvent être composées de différents services. C'est toujours recommandé d'avoir une application qui est composée de différents services, dans le sens où, en cas de maintenance, on peut toujours faire donc des réparations autonomes. Donc, on n'a pas encore envie d'arrêter tel service ou d'accéder à tel service ou de modifier tel code pour pouvoir mieux réparer ou bien intervenir dans les modules ou dans la partie UI/RM. Donc, tellement que c'est séparé, la gestion et la façon de se retrouver, de s'organiser, c'est quand même très simple. Et c'est là que ça se permet lorsqu'on a des containers qui permettent de containériser nos applications. Alors, lorsqu'on déploie nos serveurs et Azure, on déploie la fonctionnalité des containers. Ici, il faut savoir qu'on ne va pas dans la logique qu'on les déploie ou nos serveurs pour faire des containers. C'est dans la logique qu'on essaie de migrer un peu notre charge de travail. Donc, nos conteneurs qui tournaient encore sous nos serveurs on-premise, on essaie de les migrer vers les clouds. C'est ainsi que lorsqu'on est fait avec nos serveurs 2022, on a des fonctionnalités qui sont un peu propices au développement, mais aussi dans la gestion des infrastructures, mais aussi dans la gestion des informations. Alors, on modernise nos applications avec Azure Kubernetes Service, mais aussi avec Azure Stack HCI. HCI, Hypervisor Cluster. Hyper Cluster Infrastructure. Donc, c'est une façon donc de mieux gérer aussi nos ressources. C'est aussi nos ressources qui tournent sur des clusters. Donc, ce sont des clusters qui font tourner des containers. Alors, avec la mise en place de nos serveurs 2019, donc avec 2022, il y a eu cette facilité de prise en charge et l'hébergement des containers Linux à Windows Server. Avec Windows Server 2012, il y a eu encore amélioration. Donc, la façon dont on peut gérer nos centres de données. Azure App Services. Alors, aussi, on crée, on déploie, mais aussi on met à l'échelle rapidement nos applications web, que ce soit des API selon nos conditions. On peut travailler dans les .NET Core, Node.js, Java, Python ou PHP, qui sont dans des containers en cours d'exécution sous Windows ou Linux. On peut répondre rigoureusement à des niveaux des entreprises de manière performante. Donc, ça va dépendre de la manière dont les entreprises ont des demandes, mais aussi la façon dont les entreprises travaillent et communiquent avec, soit si c'est un service, si soit c'est un autre département, mais aussi dans la façon dont ils peuvent répondre aux problèmes. C'est un peu dans le sens là qu'on peut toujours répondre à ces exigences. Et cela, ça sera de manière performante. Alors, il faut voir qu'avec cette amélioration, on peut traiter plus de 60 milliards de demandes par jour. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est vraiment performant dans le sens du traitement des données, dans la rapidité, dans la gestion, mais aussi dans la façon dont on peut gérer les demandes. Alors, on dit que ce sont des services qui sont entièrement gérés avec des maintenances intégrées, de l'infrastructure, l'application et des correctifs de sécurité des mises à jour à l'échelle. L'intégration continue d'intégrer avec des livraisons continues et des déploiements sans temps d'arrêt, les prises en charge des réseaux virtuels, les possibilités de s'exécuter dans un environnement isolé, mais aussi dédié. Donc, les normes de conformité rigoureuses, y compris les SOC, PCI pour des déploiements transparents dans les clouds, mais aussi dans Azure Government et aussi les déploiements sur site.
Donc, on voit que la façon dont App Service a été intégré sous Windows Server 2022, on voit qu'il y a vraiment une amélioration, mais aussi dans la façon de sécurisation, mais aussi dans la manière d'obtenir des performances qui sont optimales et qui sont basées sur le niveau donc, de l'entreprise. Oui, comme ça. Donc, c'est au niveau des entreprises. Alors, si nous avons différentes versions de Windows. Alors, dans nos versions de Windows, on peut voir que Microsoft nous offre les versions essentielles qui sont utilisées lorsqu'on est en présence des 25 utilisateurs et ça ne peut pas dépasser 50 devices. Donc ça, c'est pour les small, donc pour les small enterprises, pour les petites entreprises. Nous avons aussi la version standard. Ça, c'est pour les environnements physiques. Donc physique. Et physique, là, on n'a pas envie de faire des grandes virtualisations. Donc ça doit consommer quand même des ressources. Et nous avons aussi data center. Ça, c'est quand c'est recommandé. Vraiment pour la virtualisation. Ça s'adapte mieux à vos matériels, ça s'adapte mieux lorsque vous les déployez dans un environnement virtuel. Alors, nous avons maintenant le Windows Server 2022 qui tourne sur Azure, mais aussi avec Azure Stack HCI Cluster. Ça ne peut pas être installé dans un matériel, mais aussi ça ne peut pas tourner dans un hyperviseur. Qui fait tourner des machines virtuelles, il tourne directement dans Azure. Alors, pourquoi se déplacer dans quoi déplacer votre Windows Server dans Azure? Alors, ici, il faut savoir que vous avez, il y a déjà des fois, on a déjà des problèmes prévu nos investissements qui sont importants selon les technologies Microsoft, notamment Windows Server, nous avons Exchange. Nous avons SQL Server, nous avons SharePoint, nous avons aussi Dynamics. Alors, on peut utiliser Active Directory pour faire l'authentification, pour faire la gestion des certificats, pour gérer les serveurs des fichiers, mais aussi d'autres fonctions informatiques qui sont essentielles, telles que pour System Center, qui simplifie la configuration et la gestion des opérations. Et tout ça, ce sont des bonnes raisons qui nous envisageraient d'utiliser Azure, mais aussi pour déplacer nos charges de travail. Cloud, donc du local vers les clouds. Alors ici, il faut savoir qu'il peut arriver que nos centres de données sont hétérogènes avec des charges de travail des logiciels virtualisés hébergés sur des machines virtuelles, Microsoft, Hyper-V ou VMware. Alors dans un environnement hétérogène pareil, la migration a vraiment été simplifiée. En plus, lorsque vous le faites avec Windows Server 2022, elle est encore beaucoup plus simplifiée et elle améliore en plus votre charge de travail. Ça va juste dépendre qu'il y a des tâches ou des environnements où bon, ça demande, donc pour faire cette migration, ça va vraiment, donc ça ne sera pas facile. Mais aussi, il faut avoir certaines prises en compte qu'il faut vraiment en tenir compte. Donc, avec cette nouvelle version, on a eu quand même des améliorations. Il y a quelques façons quand même on a amélioré pour mieux s'adapter aux besoins. Alors, et si nous avons différentes raisons qui peuvent permettre les charges de migrer les charges de travail vers Azure? Alors, Azure nous offre uniquement, donc on peut payer moins que d'autres services. Parce que lorsqu'on les déploie sur Azure, donc d'abord les coûts sont réduits. Ça, c'est d'abord un. Mais aussi, c'est réduit lorsqu'on importe nos licences. Si c'est déjà une licence Windows Server, là, directement, les prix sont réduits. Je crois que c'est réduit à, oui, c'est pas, je crois, mais c'est réduit à 40%. Je vais vous le montrer lorsqu'on sera en train de déployer. Alors, c'est
Je devais aussi tirer The Most Trusted Cloud. On devait aussi tirer parti de la sécurité multicouche des centres de données physiques. Je devais partir tirer des opérations ainsi que l'investissement annuel de 1 milliard. Donc, l'investissement annuel dont Microsoft a mis en place pour pouvoir améliorer ses sécurités, mais aussi avec différents experts et qui sont en cybersécurité, mais aussi d'une surveillance active qui vous aide aussi à protéger les actifs et les données de votre entreprise. Alors, il faut aussi tirer parti des fonctionnalités Azure qui peuvent vous aider d'accéder à vos différentes modernisations de votre infrastructure. Aussi, Azure, il est également le seul cloud hybrid cohérent, mais aussi qui peut connecter vos infrastructures, données et applications locales au cloud avec Azure Arc. On peut gérer nos dépenses lorsqu'on est dans Azure. Alors, le passage au cloud bouleverse l'économie informatique. Oui, c'est vrai ça. Donc, lorsqu'on essaie un peu de sortir donc, de l'informatique traditionnelle vers le cloud, on voit qu'il y a vraiment énormément une différence. Une différence vraiment dans les cas où on s'est dit, non mais sérieux, pourquoi on n'aurait pu pas faire ça depuis bien longtemps? Alors, souvent lorsqu'on fait il faut savoir qu'il y a des dépenses sur investissement, mais aussi il y a des dépenses sur utilisation. Investissement, ce sont l'ensemble des stratégies, mais aussi l'ensemble des coûts qu'on peut mettre en place pour essayer de mettre en place notre infrastructure, donc les serveurs, les réseaux, les techniciens, donc un peu toutes ces charges de travail-là qu'on est obligé à faire pour pouvoir mettre en place notre environnement de travail. Alors, il faut savoir que lorsque on est sur Azure, c'est encore facile puisqu'on paye seulement ce qu'on utilise. Et il y a aussi des outils qui peuvent nous permettre de mieux gérer encore donc nos dépenses, notamment Azure Cost Management, mais aussi avec Billing. Mais aussi, avant de déployer, il y a encore d'autres outils qui peuvent permettre, par exemple, d'avoir donc l'idée sur la machine ou les produits qu'on souhaite déployer sur Azure. Donc, lorsqu'on souhaite déployer Windows Server 20 2022 sur Azure, on aura déjà les coûts. Alors, je vais un peu vous montrer un peu quelque chose. Je vais partager mon. Attendez, mon. Navigateur pour vous montrer comment est-ce que on peut par exemple d'avoir les prix des coûts par exemple qu'on souhaite allouer dans Azure. Et voilà. Azure, calculator. Pricing and calculator. Alors ici, j'essaie un peu d'avoir l'idée sur les prix, par exemple, d'une machine virtuelle qui fait tourner Windows Server, ça peut nous coûter combien? Alors, je vais ici dans Virtual Machines. Déjà ajouté. C'est déjà ajouté. Alors si je vais choisir l'endroit, bon, je reste par exemple East Region. Je peux chercher la catégorie. Oui. Je peux trouver le nombre d'heures. Alors, c'est indiqué. Attendez, je vais changer de région. J'aime souvent Central US. On dit. Non, machine note, machine learning, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, ce sont les. Donc, ça, c'était un peu les pricing
sur différentes machines virtuelles que je voulais un peu tester. Les services plutôt. Alors, voilà ici. Si je vais choisir le type d'host, le type, ça sera host only. C'est pas Bistock, c'est pas SQL Server. Oui, ça sera Windows Server. Oui. Et standards, non, nous on va, oui, basique, on va standard. Catégorie, alors, voyons. Je prends seulement all. Instance series, bon, je vois que je vais prendre ce qui est ici. Avec plus de mémoire, mais est-ce qu'on dirait des stockages temporaires? Alors, vous voyez ici que. Alors, si par exemple, on paye pour une ou 3 années, il y a encore moyen de sauvegarder 70%, non, mais quand même, vous voyez un peu. Quand, si par exemple, c'est pour une année, 57 $, vous voyez? Si c'est pour 3 ans, 37 $. Vous regardez comment c'est tellement moins cher que même des fois, on s'est dit, waouh, c'est quelque chose vraiment de. Qu'on ne peut pas vraiment y passer. Alors, on peut même aussi gérer nos disques. Par exemple, j'ai dit, bon, moi, j'aime utiliser les SSD. Parce qu'ici, ça sera les managed disques. C'est 0,364 Go. On peut même dire que, bon, on peut gérer les redondances, si c'est local, si c'est region redundancy. On peut les gérer. Mais alors, la région que moi, j'ai choisie, ce n'est pas compatible avec zone redundancy. Zone redundancy. Alors, on peut même jouer aussi dans la bande passante. C'est 5 gigas. Donc, les transferts de données. On peut même mettre toujours dans Central US. Souvent, il y a des services dont, lorsque vous choisissez, vous avez par exemple ces réductions. Certains services, on ne vous les montre même pas. En plus, ici, on n'a même pas encore dit qu'on possède une licence. Remarquez. Donc, c'est tellement moins cher que des fois, je me dis, c'est rien. C'est nothing. Alors, c'était juste pour vous montrer. Attendez, j'ai. Maintenant, retournons maintenant dans notre slide. Alors, c'est déjà à. Je crois qu'on est déjà à 17. Voilà. Avec 18. Alors, ici, on va gérer maintenant nos coûts avec Azure, en économisant lorsqu'on utilise Azure. Ça, c'était lorsqu'on voulait savoir les prix de notre machine virtuelle qu'on souhaite déployer. Aussi, il y a aussi moyen d'évaluer l'ensemble de vos ressources dont vous avez dans votre environnement. Là, on va utiliser Calpost. Cost ownership. Cost of ownership. Alors, bon, on va directement aller sur Azure. Cost of ownership. Ah, sorry, j'avais mal écrit. Donc, ici, vous allez décrire votre infrastructure. Alors, en décrivant votre infrastructure, on va les estimer en fonction de vos estimations. Une fois que vous avez estimé votre infrastructure, vous allez avoir un format que vous pouvez soit mettre ça en PDF, ou soit vous pouvez laisser ça en version web, ou soit vous pouvez le télécharger en version Excel. Donc, vous pouvez quand même analyser selon vos choix. Alors, si j'avais déjà quand même déployé quelques-uns, je pense. Oui. Donc, ici, j'ai un serveur Windows. Alors, qui fait tourner 50 VM, utilise la virtualisation VMware.
C'était Linux comme opérative système qui faisait cette virtualisation. J'ai aussi Windows Server avec une version Data Center avec 50 VMs. Alors, j'ai quand même un stockage avec 60 Tera. Alors, il faut que vous définissiez vos charges de travail. Une fois que vous l'avez faite, donc il y a différentes informations que vous pouvez quand même voir, l'élasticité, l'électricité plutôt. Donc, différentes informations à prendre en compte, par exemple les IT qui font faire les maintenances, qui vont faire gérer votre infrastructure. Alors, vous remarquez un peu que, donc, si vous le déployez pendant 5 ans, vous avez 522 589 dollars comme prévision. Alors, ça peut vous coûter 1 600 000, mais ça peut voir vous coûter 1 100 000. Vous voyez un peu l'écart un peu entre les deux. Et ici, on va voir qu'est-ce qui vraiment nous consomme beaucoup ici. Donc, on a des détails. Par exemple, ici, nous, c'était pour le Windows Server. Ici, nous avons un hardware, estimation. On va dans les data centers. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment une façon de mieux gérer votre infrastructure. Donc, si on va dans Compute Cost, vous remarquez bien que avec le nombre de machines virtuelles qui sont en train de tourner, avec mais aussi les prix des logiciels, ça c'est dans les locales. Mais quand vous migrez dans les clouds, on ne va pas vous demander d'acheter quand même une licence. Mais si vous avez par exemple votre licence, vous pouvez toujours l'amener dans les clouds. Vous voyez les prix de licence, c'est 49 240 dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Et en plus de cela, vous pouvez quand même l'enregistrer si vous êtes déjà connecté. Mais aussi, vous pouvez le télécharger ou ça te sauvegarder. Si vous téléchargez, ça sera une version Excel que vous pouvez ouvrir. Alors, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Oui, on m'a dit que j'ai l'écran. L'écran n'était pas opérationnel. Alors, si je vais vous le montrer. Désolé, vraiment, désolé, désolé, j'étais complètement emporté. Alors, si j'ai déjà travaillé, donc j'ai déjà mis mes charges. Donc, si je reviens par exemple à cette étape ici, là où j'ai enregistré mes charges de travail. Donc, je n'ai pas de base de données, c'est juste un exemple. Bon, après, je suis allé sur ici avec les ajustements. Bon, j'avais pas d'ajustement parce que c'était juste une version, c'est une façon d'essayer. Alors, si j'ai maintenant les rapports, c'est un peu ce que je disais ici. Donc, on voit un peu les cas et les bénéfices que j'ai reçus. Seulement pour la façon dont je gère mes dépenses. Alors, on peut soit le déployer, soit version Excel, mais aussi, on peut aussi l'enregistrer. Alors, on peut même aussi estimer ça par mois avec Azure Pricing Calculator, ce que j'avais montré en premier lieu. Alors, on va retourner dans notre slide. Quelques secondes. Alors, ça maintenant, ça va concerner maintenant les stratégies de sécurité. Avec Windows Server. Donc, ici,
La protection des systèmes nécessite une approche historique. Donc ici, on montre un peu comment est-ce que avec cette sortie de Windows Server 2022, on a amélioré la façon dont les informations peuvent être protégées. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut améliorer la posture de notre sécurité avec Microsoft Defender, mais aussi avec Microsoft Sentinel. Donc, tous les deux, ce sont vraiment la façon dont on peut quand même améliorer notre sécurité. Ce sont des outils qui sont mis à la place lorsqu'on a, par exemple, un Windows Server qui est déployé dans les clouds, mais aussi ces outils de sécurité, ils peuvent aussi gérer lorsqu'on a un serveur qui est déployé dans le local. Mais lorsqu'on les déploie, souvent, les Microsoft Defender, ça se fait donc facilement lorsqu'on est en train de les faire dans les clouds. Donc, ça ne va pas demander de configurer. Non, c'est lorsqu'on va déployer notre machine virtuelle qu'on sera aussi appelé à activer un agent qui va venir récolter les informations, voir comment est-ce que ça fonctionne. S'il y a des défaillances, on les saura. Bon, c'est un peu ce que j'ai dit. Donc, c'est la façon dont on peut quand même voir comment est-ce qu'on peut gérer donc notre serveur qui est déployé dans le cloud. Avec Azure Sentinel, lui, donc la différence entre les deux, c'est que Azure Sentinel, lui, il va collecter, donc c'est comme un point central qui va collecter un ensemble d'informations qui peuvent provenir soit de votre Azure Active Directory, soit peut provenir de vos différentes ressources et vous les gérez. Mais aussi, ça peut aussi inclure le Windows Server qui est déployé dans le cloud. Alors ici déjà, on remarque déjà des alertes avec lorsqu'on utilise les mécanismes de sécurité. Donc, si par exemple, on utilise Azure Sentinel. Donc, il va collecter les informations qui peuvent venir ici. Ça peut être soit de votre Active Directory, votre serveur de messagerie, votre mail. On va un peu collecter toutes ces informations. Et en les collectant, on saura maintenant comment est-ce qu'on peut faire du remediation. Donc, le remediation qu'on pourra faire, ça permettra donc de mieux sécuriser les informations, mais aussi de sécuriser les systèmes d'information. Alors, il faut savoir que lorsque Microsoft fait ses analyses, ces informations qui sont collectées, ce ne sont pas des informations qui seront utilisées à des tiers. Donc, ces informations, ils sont d'abord collectées et ils sont chiffrées. Mais aussi, ça permet de nouveaux scénarios tels que la chaîne des blocs sécurisés ou l'apprentissage automatique multipartite. Mais aussi, il protège les clés et autres secrets de LED avec HCM. Donc, il ne faut pas s'inquiéter comment est-ce que les informations sont collectées. Non, ces informations, lorsque ils sont déployés, ces informations sont donc pas déployées, mais lorsqu'on essaie un peu de sécuriser donc votre système d'information, donc collecter ces informations. Dans le sens, ce n'est pas, on sert, ça sert à utiliser ces informations lorsqu'elles seront collectées, elles seront chiffrées. Ça ne sert pas à collecter de manière à ce qu'une autre personne vienne accéder à ces informations. Alors, pour le déploiement, alors il faut avoir l'idée qu'ici, on a notre machine virtuelle qui peut avoir trois disques. Soit d'abord, il y aura d'abord les disques pour l'OS, pour l'operating system. Ça, c'est un disque temporaire qui se crée lorsqu'on crée une machine virtuelle, temporary disk. Là, on peut avoir comme notre disque dire data. Donc, ça peut contenir des informations, soit pour une application, soit d'autres informations pour l'entreprise. Alors ici, on a des log analytics, donc pour recevoir des metrics, des données sur le fonctionnement de notre machine. Ici, on a notre interface réseau qui va permettre de nous connecter sur
Internet, mais aussi ça va permettre de bien connecter dans notre réseau local. Et tout ça, ça se situe dans un groupe de ressources. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on finit à déployer une machine, un Windows Server, si par exemple, on se trouve que la tâche à laquelle elle a été destinée à faire est déjà finie, alors on peut quand même recourir et les supprimer. Donc, ça toutefois, par exemple, continuer à utiliser une machine que on s'est dit, bon, on utilise et en plus de cela, on n'a pas encore d'autres tâches à faire. Donc, on peut quand même l'arrêter. Soit, on peut les supprimer. Et lorsqu'on supprime les groupes de ressources, là, on supprime complètement l'ensemble des ressources qui sont situées ici à l'intérieur. Alors, je vais faire juste une petite démonstration. Comment est-ce qu'on peut les déployer? Alors, ça, c'est mon portail Azure où j'ai différentes ressources. Alors, ici, moi, bon, je peux créer une ressource, mais comme j'ai déjà d'autres ressources, bon, je vais juste entrer sur une ressource et au travers de cette ressource, je vais créer une machine virtuelle. Voilà, celle-ci, elle est vide. Alors, je vais créer une ressource. Je vais nommer Windows Server 2022, parce que on parle de Windows Server 2022. Je vais pas utiliser Core, mais avant, il n'y avait pas Core. Bon, mais quand même, je vais essayer avec Core. Le modèle Core, c'est un modèle qui est basé sur la consommation. Pas la consommation, mais ça fonctionne avec l'envie des commandes. Donc, il n'y a pas l'interface graphique. Et si on remarque bien, c'est que c'est quand même moins cher, 0,02 $. Donc, ça ne consomme vraiment pas de ressources. Ce sera pour moi une première fois de déployer les modèles Core. Et je pense que ça sera rapide. Puisqu'on donne un peu plus de détails, on a même aussi l'aperçu. Et on donne aussi réduire les maintenances, les attaques, les gestions. En plus, ça ne consomme même pas de ressources. Alors, je vais les déployer. Alors ici, je vais choisir. D'abord, c'était dans les ressources asiennes. Bon, OK. Je dois quand même avoir un nom. Bon, je vais nommer ça parce que... Non, 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 ça va mettre mon nom. Je mettrai Azure User. Je mettrai les passwords. Que c'est les mêmes. Bon, je vais laisser quand même les ports ouverts. Ah, vous voyez, lorsqu'on dispose d'une licence, on a 49% de réduction. Wow. Alors, je vais voir les disques. Premium, moi, il n'y a pas de problème, c'est juste pour les tests. Ok, nombre d'ultra disques, non, 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 je ne vais pas attacher notre disque. Alors, ici, comme. J'ai pas d'autres sous, j'ai pas des réseaux virtuels. Je n'ai même pas créé. Alors ici, on va créer un réseau virtuel. Alors, ça sera dans les Network Security Groups. Je vais laisser dans les Basics. Basics, donc ici, il n'y aura pas vraiment de configurations qui seront préétablies. Par exemple, si c'est Advanced, là, il y aura des stratégies qui seront appliquées. Je vais autoriser le oui, je vais autoriser la gestion. Alors, c'est qu'est-ce que je vais choisir? Ça peut déjà avec Azure, OK. OK, bon, ça va, pas de problème. Pas des Azure AD, non, non. Je ferme automatiquement, ça s'est arrêté. Donc, à cette date ici, ça s'arrête. L'email, OK. Alors, et bon. Tu peux ajouter des extensions? Non, je pense que je vais continuer comme ça. Je vais pas mettre des tags. Je pense que je peux créer.
Ah, il y a quelque chose qu'on n'a pas complété. Je vais voir c'est quoi. Peut-être. Ah, j'avais dû oublier. Mais non. Je vais nommer Windows Server Core. Ça va accepter. Je pense que ça va. Et à partir du networking, j'avais vu quelque chose de rouge. Ah, ouais. Ah, ok. Ouais, les prix peuvent me faire ça. On va avoir plus de précisions sur les prix des machines virtuelles. Ah, il y a aussi le numéro de téléphone. Ah, ça, c'est nouveau. Je savais même pas. C'est nouveau. De téléphone. Est-ce qu'il fallait mettre le code du pays? Voyons. Peut-être le numéro, c'est au cas où ça y a un problème. Soit si on ne vous entend pas avec votre email. Je vais mettre ça. Voilà. Ouais. Je vais voir encore. Pour des notifications. Là, je vais encore faire pour la dernière fois. Si ça refuse, bon, on va créer un serveur avec expérience et avec l'expérience et avec l'interface plutôt. Ça refuse donc bon. Je crois que je vais créer. C'était pour moi la première fois que j'ai créé ça, donc c'était quoi le problème? Bon. On va choisir une version, non, mais c'est 22. Ok. Ça, c'est Gen2. Ok. Alors, le nom de la machine, à quoi en train de tourner. Voilà, ok, c'est déjà prêt. C'est ça. Le serveur 22. Generation 2, sizing. Oups, après je garde le mémoire. Il faudra vite supprimer. Déjà. User. Vu que j'avais pas créé des réseaux et par défaut le port ici il est ouvert, je vais rester avec par défaut, donc je vois que je vais le déployer. Est-ce qu'on va pas me demander le numéro de téléphone? Je pense pas.
Il y a encore un warning ici. Au téléphone. Ouais, je crois que je vais mettre ça. Oui. Bon, je vais voir. Pourquoi on refuse mon numéro de téléphone? C'était le même rêve que j'avais. Ouais. Oui, c'est. Je crois que c'est le problème toujours des numéros de téléphone. Alors, une fois qu'on arrive ici, alors c'est là où maintenant on va maintenant demander de pouvoir créer maintenant notre machine virtuelle. Alors, pour la création, ça va prendre juste que 5 minutes. Pas 5 minutes, 5, c'est beaucoup. Ça va prendre juste quelques minutes en attendant que la machine virtuelle soit en train de tourner, soit en train de tourner pour faire la création. Alors, une fois que c'est fait, là, vous appelez directement à votre machine virtuelle qui est déployée dans les clouds. Là, vous n'allez plus avoir à vous soucier que ça marche, que ça ne marche pas. Mais lorsque vous la déployez directement, vous allez directement avoir accès à vos informations. Je suis en train de voir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Alors, il faut aussi comprendre que donc si on n'a pas un compte. Un compte Azure. Là, il ne sera pas possible de pouvoir déployer, de bénéficier des Microsoft Azure. Donc, il est demandé d'avoir un compte Azure. Vous pouvez même avoir un compte gratuit avec un abonnement de. Oui, avec un abonnement. Oui, avec un abonnement gratuit. Et on vous donne un crédit de. Descendre là. Alors, je crois que ça va. Ça marche déjà. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est ça bon. Alors, ici, j'ai déjà déployé la machine virtuelle. Avec, c'est ça, Data Center Editions. Alors, si j'ai déjà ces avantages, donc je peux faire Windows Admin Center. Ça, c'est un mode preview. Donc, tout ceci, ce sont des. Il y a des configurations maintenant. Ça, c'est encore un mode preview. Donc, ça permet en fait de mieux gérer votre serveur. Ces fonctionnalités qui sont ici. Mais aussi. Lorsqu'on sera maintenant possible, par exemple, de déployer, par exemple, les Kubernetes, d'utiliser une configuration manager, qu'on peut dire Azure Automation Management, ça pour mieux encore gérer vos ressources. Et aussi, si vous déployez, vous avez une app service qui est en train de tourner sur le Windows Server, là, c'est encore mieux. Alors, si j'essaie de me connecter, je peux juste aller, si je télécharge RDP. Directement là-dessus, je peux me connecter au travers l'adresse IP publique. Alors, je crois que c'est tout. S'il y a des questions, je suis ouvert quand même aux questions. Sais pas s'il y a des questions.
jamais, il n'y a pas de questions. Alors, je crois que je vais passer à un dernier point. Donc, les ressources, ça, ce sont les différentes ressources que vous pouvez consulter. Donc, je crois que je vais mettre les liens. Donc, les liens des documents, je vais les partager. Et je vais mettre aussi les liens qui sont ici. Donc, directement, là, vous avez accès à ces différentes ressources ici. Et contact, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et aussi sur Twitter. Je pense que ça s'est bien passé. Vous avez bien retenu les leçons. Je vous remercie encore. C'était juste, désolé pour les problèmes qui a eu lorsque j'ai essayé de faire le déploiement des machines virtuelles parce qu'il y avait problème avec mon numéro de téléphone. Je pense que je vais revenir après voir comment est-ce que je peux corriger ça. Et en cas de questions, vous pouvez me contacter sur Twitter ou LinkedIn. Merci.